on enchaîne avec une news qui devrait vous intéresser fortement. Hier, dans le bistrot du jeu vidéo, on parlait de la grosse rumeur à prendre avec des, j'avais dit, des turbo-pincettes qui voulaient que GTA 6 soit présenté d'ici la fin de l'année. Et rappelez-vous ce que je vous disais, comme à chaque fois avec les rumeurs, je vous dis, bon, est-ce qu'il faut s'emballer ou pas? Et là, je me dis, ça pouvait quand même concerner aussi d'autres annonces dans l'univers de GTA. Eh bien, vous savez quoi? Ça se précise. Regardez, c'est relayé ici par VGC qui nous dit « The Grand Theft Auto, la trilogie remasterisée, a été aperçue en Corée ». Eh bien oui, l'organisme de classification coréen a intégré dans sa base de données un certain Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition. Voilà. Évidemment, vous vous doutez bien, c'est parti très vite. Mais il y a eu le temps d'avoir des petites captures d'écran, etc. J'ai pu le voir de mes yeux. Alors en plus, hein, c'est pas nouveau, hein, le site Kotaku, par exemple, le site américain, avait évoqué que selon leurs informations, il s'agirait effectivement de remasterisation de GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, que cette trilogie remasterisée serait sous la houlette de Rockstar Dundee, qui est anciennement Ruffian Games, qui avait été racheté à la fin de l'année 2020 par Take-Two, et toujours d'après les informations de Kotaku, la sortie était initialement prévue pour cette trilogie remasterisée pour octobre-novembre 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PC, Stadia et mobile. Bon, eh ben écoutez, il n'y a plus qu'à, même si, pour mémoire, GTA 5, la version next-gen, devait arriver à la base fin novembre. Et elle a été repoussée à mars 2022. Est-ce que ça ne peut pas avoir un impact aussi sur ces annonces-là? Bon, en tout cas, ce qui semble plus ou moins certain désormais, même si ce n'est pas encore officiel, hein, on prend encore les pincettes d'usage, voilà, élément après élément après élément, ça commence à faire beaucoup. Je crois que les mois à venir vont être une grande période de revival GTA pour nous faire patienter jusqu'à GTA 6. Alors, est-ce que ça annule la rumeur qui voudrait que GTA 6 montre un petit peu le bout de son nez, peut-être un teaser, un trailer, etc., d'ici la fin de l'année? Ça, moi, je prendrai encore un peu de recul là-dessus. Mais écoutez, on sera assez vite fixé, puisque ça y est, on arrive au mois d'octobre. Donc les choses, si elles existent, devraient se préciser.